tortue boîte à front jaune, une espèce qui est également très intéressante et très originale. Elle a été d'ailleurs découverte en 1939 et on va tout de suite voir sa description d'espèce en commençant par ses origines. Donc c'est une tortue qui provient essentiellement de Chine et du Vietnam, plus précisément des îles de Guangxi et de Hainan. On va tout de suite enchaîner avec le sujet du biotope. Ah, la tortue boîte à front jaune est une espèce de tortue qui se retrouve le plus précisément dans des forêts humides, comprenant une température comprise entre 15 à 25 degrés. Ce qui est de ses caractéristiques, on va tout de suite enchaîner avec ce sujet. Ah, la tortue à front jaune, hein, une espèce de tortue qui est également très originale, hein, très belle que les autres tortues boîtes. Tout d'abord, elle se caractérise par une carapace relativement bombée, hein, elle est un peu plus bombée que les autres tortues boîtes. D'ailleurs, sur sa dossière, elle possède de nombreuses nuances, hein, ça va pas être une couleur unique, elle va avoir de nombreuses nuances sur chacune de ses écailles. Donc bien sûr, qui lui fait une très bonne originalité, hein, qui la différencie des autres tortues, mais également des autres tortues boîtes. Et ces nuances vont être de différentes couleurs, il va y avoir des couleurs foncées, des couleurs claires, et ça va être le plus souvent être du brun clair au brun foncé. Ce qui est de ses parties molles, hein, sa tête, ses pattes et sa queue, eh bien, eux vont être entièrement brun clair, donc à savoir presque beige, mais surtout jaune au niveau de la tête, hein, comme son nom l'indique. Enfin, à propos de sa taille, c'est une tortue qui va mesurer environ 19 cm de long pour un poids d'un kilo. Ce qui est de la maintenance pour la tortue boîte à front jaune, eh bien celle-ci va avoir les mêmes besoins spécifiques que la tortue boîte à bord jaune, donc deux espèces qui auront besoin des mêmes conditions de maintenance, hein, que je vous ai décrites tout à l'heure. Seulement petite différence, hein, la tortue boîte à front jaune bien évidemment aura besoin d'une température de 25 degrés. Enfin, petite différence par rapport aux autres tortues boîtes, la tortue boîte à front jaune est une espèce qui pourrait hiberner, vous pourrez la faire hiberner en captivité, hein, vous pourrez la faire hiberner pendant 2 mois à 15 degrés. Ce qui est des conditions de maintenance, hein, comme je viens de vous le dire, elle possède les mêmes que la tortue à bord jaune, sauf qu'il faudra séparer les deux sexes, hein, il faudra séparer les mâles des femelles, puisque les femelles sont assez fragiles et elles stressent beaucoup. Enfin, ce qui est de la nourriture, eh bien, ils seront de préférence nourris individuellement. Chaque spécimen sera nourri individuellement pour éviter tout type de conflit. Ce qui est des conditions de maintenance en captivité, hein, ce qui est de la difficulté, eh bien, la tortue à bord jaune aura besoin, elle aura une difficulté donc pour les adultes de niveau 3 et enfin pour les juvéniles de niveau 2. Enfin, pour terminer, ce qui est des conditions de reproduction, eh bien, la tortue boîte à front jaune aura exactement les mêmes conditions que la tortue boîte à bord jaune. De même, donc, que ce soit pour la reproduction, hein, mais également ce qui est des œufs et de la durée d'incubation. Ce qui va changer, ça va être les nouveau-nés, puisque les bébés tortues auront atteint à la troisième année une taille de 10 cm pour un poids de 200 grammes. On reste un peu au Vietnam et à la Chine, puisqu'on va tout de suite enchaîner avec une autre espèce de tortue boîte qui est la tortue boîte à trois bandes.